Et bien salut tout le monde, c'est XVSK et on se retrouve pour la seconde aventure sur Terminator Resistance. On est à environ à 3 missions de la fin, donc je pense qu'on y arrivera vite. Mais j'ai des nouvelles pour vous. Putain, je déteste me muter en espérant voir une cinématique et au final y'a rien. Ouais, c'est moi l'homme du moment, bonjour, j'ai baisé la baronne, et alors? Non, j'ai pas patrouillé avec vous, c'est mort. Moi je vais finir le jeu là. On a Death Stranding à finir aussi. Bonjour. Ah bah la porte est ouverte carrément, maintenant on laisse entrer tout le monde. Ah bah dis donc, bravo la résistance hein. Un ordi, vous êtes au top. Know your target and what's behind it. And what else? Bon, par contre, ce serait peut-être bien d'améliorer cette arme, non? Merde! Bon, techniquement, c'est la. Ah non, c'est cette arme-là que j'aimerais bien augmenter. Elle fait 125 de dégâts de base. Ah putain, je déteste. Chaque fois, j'ai le réflexe d'appuyer sur clic droit pour pouvoir faire ça, quoi. Bon, allez, on va mettre du dégât. Cadence de tir, est-ce que j'ai un bon truc? Ouais. Et côté chargeur, je n'ai. Hop, ah si ça va. 38% de chargeur. Nice! Eh hey, Baron! On ken? Ouais. Rivers, just when you thought shit couldn't get any more crazy, this happens. So what now? With the infiltrators coming out and news of a fucking time machine. Connor wants to finish this war fast. Are we prepared? Nowhere near. That's why an all-out attack is our only option. Alvin managed to locate Skynet's central core through the hijacked satellite. It turns out it's right under our nose. It's in the basement of the old Griffith Observatory. So we're moving out? You are. Connor wants me to stay here to coordinate the attack. And his North Division is heading to stop Skynet from sending anything through the time displacement equipment. So this is it? It does seem that way. You better get all your things sorted. Take your time. You're leaving in a couple of hours. Dismissed. Bon. Du coup, est-ce que je peux faire partir les gens ou pas? Non, parce que là, pour l'instant, j'ai rien du tout pour pouvoir faire partir les gens, c'est un truc de fou, quoi. Nervous? Don't worry. We'll be right behind you. Baron wants us to set up a field hospital. So if anything happens, I'll meet you there. Ah là là, merde. Bon, je pense pas qu'on ait vraiment besoin de se préparer. Ah! Jacob, you're moving out? I am. What about you? I'm part of a scavenging team now. But Commander Baron gave us an order to get back to the shelter. If you see Jennifer, can you tell her that? Okay. Where is she? Last time I saw her, she was upstairs. Mais il est où? Ça saoule là. Je veux savoir où elle est, bordel. T'as lu mon objectif là? On va la chercher là-dedans. Ah là là. Salut. Nice view. How did you find me? Patrick told me you might be somewhere around here. It's my thinking spot. Is he worried? No, he seems happy. How did he do on your first scavenging hunt together? Well, at first he was excited just to be outside.
A little too excited. Some drones spotted him. But I did it. I managed to protect him. Nothing happened. And from that point on, he understood how dangerous a scavenger's life can be. See, you'll make a great scavenging team. Yeah, I'm starting to see it that way. And because of that, I was thinking... About leaving? I don't have any secrets from you, do I? Yeah, about leaving. With Patrick. I think you should leave. What? Are you serious? I thought you'd be the last person to encourage me to go. What about what you said earlier? What changed? Things are different now. It's not safe here anymore, and I think you should go. Jacob, I don't know what to say. You know that your opinion matters to me the most. To be honest, you're the only thing keeping me here. Well, that's it then. I guess I'm going. You're always looking out for me. Thank you for that. I know you're moving out soon, but there's something I want to say. Regardless of what happens later, I hope that we'll find each other. Thank you for always being there for me. I'm lucky to have someone like you. And I'm lucky to have you. I hoped you'd say that. Da-na-na-na-na. Oh mon dieu. Ah, désolé, je viens gâcher la scène. Non mais faut pas rêver, avec Baron c'était juste professionnel, hein. C'était juste un plan professionnel, hein. Avec Jennifer, c'est du sérieux, hein. Je la protégerai jusqu'à la mort, hein. Y a pas de souci, hein. Ouh là là, dis donc. Ouh là là, ça commence avec les caresses, tout ça. Eh ben dis donc, faut pas avoir peur. Faire des choses pareilles alors qu'il y a plus de mur, il y a plus d'intimité, il y a plus rien. Oh mon dieu. Oh oui, vas-y, plus fort. Oui, je suis en train de tout gâcher, je sais. En tout cas, me dites pas que vous vous fappez sur ce genre de scène, hein. Si vous me dites que vous fappez sur ce genre de scène, Bon, au moins, y a pas à dire, elle est quand même plus jolie que Baron, hein, parce que Baron... Voilà, comme je l'ai dit, c'était uniquement du professionnalisme, hein. Et puis bon, hein, depuis le temps que je cours, hein, on va dire que les bourses devaient être pleines, je répète, les bourses devaient être très pleines. Voilà, allez, on a fait des choses avec Jennifer, on est content. Ah. I'll stay here just a little while longer. Il reste là. Tell Patrick not to worry. T'as pas froid par contre? Tu veux que j'aille le chauffage? Ah non, c'est vrai, on a pas, excuse-moi. Ah mon dieu, quoi. Ouais, plus merde, hop. Oui! Je planais, quoi. Salut! On y va? You ready to move out? I am. Alright, let's do this. Thirty years ago, the machines decided to wipe out all of humanity because they feared that we were a threat to their existence. Today, we make their fear come true. Sergeant Rivers, you were requested by John Connor to lead the Alpha Team. You will be responsible for carrying out the attack on the location of Skynet's central core. We will create a diversion to lure out any HK aerials patrolling the area. That should give you some time to breathe. Taking out Skynet's ground forces, that's on you. Remember, the goal is to destroy Skynet's central core, at whatever cost. Good luck out there. Dismissed. Thank you.
All right, everyone, this is us. Let's move out. Alors moi, personnellement, je vous parie... We're 2 minutes out from the observatory. As soon as we get past je vous parie que Skynet, le cœur de Skynet n'est pas ici, à tous les coups. 100% sûr. Quoi, sans Skynet, c'est totalement genre... Oh non, vous êtes sérieux, c'est moi qui dois pirater en plus. Oh là là. Ah, ça va. Stay focused. Stay focused. Ouais. Attendez, sous mes grenades. Silverfish, 12 o'clock. Rendez-vous utile, les mecs, quand même, un peu. Hein. Neutralize, yes. Vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais mettre le lance-roquette ici. Bon, je crois que le fait d'être parti sans avoir fait un plein de roquettes, ça va peut-être être joué en ma défaveur, mais... En général, le jeu est quand même abondant en munitions, hein, quand... Où ça, machine en avant? Ah oui. C'est marrant, j'ai pas l'impression de faire plus de dégâts avec ce machin. En tout cas, elle a une sacrée cadence de tir, ça c'est déjà pas mal. Ouh, ça pue ici. Oh, ça pue! Ouais. Oh, bordel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Terminators ne font pas long feu avec cette arme. C'est déjà un bon plus. On va pas s'en plaindre. Par contre, faut vraiment tomber sur des Terminators qui ont que des munitions violettes, quoi. More incoming! Hang in there. Je suis le Rambo des Terminators. Oh là, qu'est-ce qu'elle est bonne cette arme, sérieux. Ah bah il y avait des mines derrière, j'avais même pas vu. Peut-être aller chercher... Ah! C'est une blague! C'est une blague? J'ai frôlé le feu! Ah bah d'accord, je peux plus revenir en arrière, magnifique! Ah bah d'accord, magnifique, les IA, il fallait... Mes munes! Another infiltrator? No, he's with us. Parler à l'étranger. T'es là, étranger? Salut! Attends. Non! Took you a while. How did you know we were coming? I thought you'd know by now. I know more than you think. Better prepare yourself. Là, il y a un petit peu d'action. Ah! Bon, bah apparemment... Focus on that HK. Ah! Magnifique! Magnifique! Oh putain, ils font toujours super mal quoi, c'est un truc de fou. Putain, je fais pas de dégâts. Un truc de fou. Il est où? What? C'est quoi qui m'a tué là? Eh messieurs, faut être déconné par moment.
pense que c'est bien mieux. Tellement loupé. Tiens, si je tire à travers ça, ça passe. Ah, et ben non, ça passe pas, bien sûr, hein. Bien sûr, ça passe pas, hein. Bon, le combat va être un petit peu tendax, je pense, parce que malheureusement, les explosifs, ça nous tue super rapidement, alors que malheureusement, je suis quasiment full robustesse. Allez chercher l'erreur. Spread out! Focus on that HK. They're coming from the west gate. Ça, on s'en doutait, t'inquiète. Je veux juste éviter de mourir inutilement, en fait. Putain, je fais le damage, quoi. Pourtant, c'est bizarre, hein. Je vise la tête et tout, mais il se passe rien, quoi. J'ai pas touché. Mais putain! Bon, la mission. La souris, s'il te plaît. Focus on that HK. They're coming from the west gate. Oh, c'est une blague là. Je vais apprendre tes dégâts un jour. Regardez ça, je vise en pleine tête, il se passe rien quoi. Bon, tant pis, hein, je tire comme un gogol, mais bon, c'est pas grave. Hein. T-47, destroy. Ouais, on en a eu un, magnifique. It wasn't supposed to be here. Non, tu crois? Mais t'es pas au courant que quelque chose n'allait pas. Putain, j'arrive pas à changer le terminator. Là. Franchement, j'aurais pris la roquette, j'aurais pété un câble. Oh, salut. Eh putain. C'est bon. Ah, ça va, ça tombe bien ça en fait. Et voilà. This is it. Follow me. Oh putain. Voilà ce qui reste de l'ennemi. Alors des munes, ça serait bien. Nice. Salut. On fait quoi, on y va? Pourquoi il y a deux personnes en face déjà? Central core is downstairs. How do you know? I've been here before. I've seen it. Des beaux câbles, en tout cas, très rouges. Hein, sur les rares couleurs qu'on voit dans ce jeu. Watch out! Et merde! Ah putain! J'avais pas vu l'indicateur de la grenade. Désolé! Je sais, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais bon.
donc tant que je passe pas, c'est bon. Watch out. Et le 1. Et le 2. Et le 3. Et le 4. Alors, on va peut-être pas déconner quand même, hein. Eh, sinon, tu m'aides un jour, toi? Quoi, sur un duel de regard, c'est ça? Et merde! Je sais pas où il est. Oh putain! Oh, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu peux avoir ton arme par contre? Oh ouais. Skynet's finished. Minigun Skynet, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Oh. It's not here. The Central Core. It's supposed to be right here. They knew we were coming. They moved it. It's a trap. A fucking trap. We have to move. Those missiles are headed this way. Wait. If we triggered the attack, it means that this place is still connected to Skynet's mainframe. If we trace where the signal's coming from, we'll know the Central Core's actual location. How could they know we were coming? When Skynet was about to lose the war, they sent an infiltrator back in time. You must have warned them about this attack. How do you know all this? Because I went back after that infiltrator. Yes! I've got the coordinates. Let's go! All of this will make sense to you soon, but right now we need to go! Commander, Central Core, it's not here. It was an ambush. Commander! You can't die here. Get up! Baron, I've got the coordinates. Can you hear me? Where the hell are you? Bon, je pense que la fabrication ici nous ne servira plus à rien, mais bon. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ah, bah apparemment tout le monde est mort. Magnifique. Aaron. Thank you.
Commander! Rivers, you're alive. What happened here? An infiltrator got in. Brought lots of friends with him. We didn't stand a chance. Since they didn't go offline, I assume we did not destroy Skynet's central core either? No. No, we didn't. It was an ambush. They moved it before we got there. So this is it? We lost? We lost this goddamn war? Not yet. What do you mean? I got the central core's real coordinates. You have? I've gotta learn not to doubt you anymore, Rivers. We need to call Connor. He may still be able to stop Skynet. Forget it. I couldn't get him on the radio for hours. You need to find him. You need to give him those coordinates. First, let's get you out of here. No. You don't have time for this. You have to leave me here. I can't. You're not gonna disobey my final order, are you? Before you leave, I've got a confession to make. There's a reason I wasn't so keen on you from the beginning. Remember that list of people Skynet marked for termination? I lied. I told you that you were number three. The truth is, you're number two. Just behind Connor. You took my spot. And for the life of me, I couldn't understand why. But now I know. They're coming. You need to leave, now. Use a vent in the command room to sneak past them. And then find Connor, and give him those coordinates. Don't worry about me. If they come here, I'll just reason with them. I still have a couple magazines full of arguments. Now go! Good luck, Jacob. Non, baron! Je te protégerai! Ils vont tâter de mon fusil! Oh putain, c'est efficace ce truc! Donne-moi de l'amour, donne-moi des munitions. Avec des munitions, j'effoncerai des fions. Ah, détecté. Ah, ouais, monsieur, excusez-moi, je vous avais pas vu. Putain, t'es sérieux? Et putain, mais fais-moi des munitions violettes là, wesh. Nettoie la zone pour que tu puisses survivre. Par contre, pour la faufilade, je pense qu'on repasse. Hein. Ouais, ok. Tu viens un jour ou pas? Il avait pas d'explosif, ça me fait la gueule. Oups. Mais c'est une blague. Je suis derrière des obs... Eh mais sérieux quoi, je suis derrière des trucs et je meurs comme une vieille merde quoi. Bon, avant d'aller plus loin, est-ce que je peux améliorer cette arme? Parce que... Chargeur. Ah, c'est bizarre le... Oh putain, avec une cadence de tir encore améliorée là. Ah! Ça, c'est de l'arme à feu, hein. Bon, par contre, il me faut 3 barres et que je finisse sur un carré. Ça, ça va être le problème. C'est que je suis pas sûr d'avoir 3 barres qui finissent sur un carré. 3 barres finissent sur un carré. Putain, j'ai le truc inverse, mais j'ai pas le... Ah, si, chargeur. Putain, ça va en faire une de ces cadences de tir sur cette arme. Hop, t'es mort ou t'es pas mort? Merci. Waouh, comment ça tire vite. C'est pas pour autant que j'arrive à bien viser. Bon, Alex, tu attends que le gentil robot daigne dire bonjour. En tout cas, j'ai hâte de voir Sophina contre Skynet, en vrai.
Ta gueule, bordel, arrête de te planquer. Allez. Bizarre, j'ai pas... pas bien les munitions, ouais. Alors... putain, mais ce flingue, c'est juste du génie, quoi. Comment est-ce que les humains ont pu perdre la guerre avec une arme pareille, quoi. Nyeh! Ouais, magnifique. Ils avaient même envoyé un infiltrateur, quoi. Par contre, le peu de munitions qu'il y avait sur lui, pas cool. Personne. Et là, on va en avoir un. Non, de toute façon, on peut pas utiliser nos armes dans les combats. Donc, logique. Non, c'est pas par là. Putain, c'est dur hein, d'aller jusqu'à la fin du refuge. Hein. Ah, ah, mais t'es mort! Ah, mais c'est con, hein! Ok, ici. Deux. Même pas un petit infiltrateur à la fin. J'ose pas courir parce que si jamais un Terminator me prend encore à corps, je suis foutu. Je suis instant mort. Du coup, j'ai un petit peu peur là, je vous avoue. Ouais. Ah oui, c'est pas drôle. Faut être que je me taille. Faut que j'aille voir John Connor. Allez, on a presque fini le jeu là. Ah non, vous avez pas me dit, je vais devoir me taper une zone à la con pour aller jusqu'à John Connor quand même. The stranger died in that ambush trying to protect me. He came from the future to save my life and I don't even know his identity. But thanks to his sacrifice, I managed to escape with the Central Core's true location. When I got back to the shelter, I realized that getting that information cost the life of many others as well. I headed out to find John Connor and his North Division to take part in the last all-out attack. Oh putain, je m'en doutais trop. Anyone receiving me? This is Sergeant Jacob Rivers, DN46890. Anyone out there? Bah non, tout le monde est mort, gros. Skynet got to them. Eh ouais. Faut pas faire chier Skynet, hein. If anyone's hearing this, please respond. On va faire 180 sans rencontrer un seul ennemi sur le chemin. Ça me paraît gros quand même. C'est quoi ça? Is anyone else out there? T'sais, mec, que plus tu vas. Ah non, c'est vrai, ils ont. God damn it. Eh ouais, tout le monde est mort. Oh, c'est Bad Gatling. Allez, il est presque. Il est presque. Moi, je veux voir John Connor. Wow. Look, we got one. He's wearing a resistance uniform. Who did you kill to get that, you filthy machine? No, don't! Wait, he's human!
Sorry about that, Sergeant. The infiltrators took some of our key positions, so we're extra cautious. If we'd known that you were joining us in the North Division, that would have never happened. You know who I am. We all do, Sergeant Rivers. John Connor told us about you. He said you'd come and bring those coordinates. How did he know I'd have them? That you'll have to ask him yourself. He's waiting for you upstairs. Oui, on va voir John Connor. Allez, John. He's the only survivor from Baron's division. You? That's him. Warren Connor's been talking. Oui, c'est moi. Je suis le plus beau, je suis le plus sexe. Parce que j'ai Ken et Jennifer. Salut. Commander. Sergeant Rivers. I've been expecting you. I took the liberty of collecting the Central Corps' coordinates you brought us. I hope you don't mind. Not at all. Are we preparing to attack the Corps? I've sent a unit to do that. We're getting ready to strike the time displacement equipment. Very soon, Skynet will realize that they're losing this war. So they'll try to send infiltrators back in time to prevent that from happening. Do we stand a chance? Thanks to the security codes that Mac provided, we've been able to seize control of an HK tank for the first time. It should give us the advantage against Skynet's defense grid. We'll smash it once and for all. I understand that all this might be confusing to you, so if you have any questions, now's the time to ask them. Who is the stranger? In one alternative future, we reached the time displacement equipment and sent our soldiers back in time. Like always, the mission was to assure the safety of the people Skynet marked for termination. One of whom was you. Knowing the importance of your mission, many volunteered to go back. So I took it upon myself to choose a protector from among them. And the one I chose was you. You are the one you call Stranger. How did you know that the Central Corps wasn't at the observatory? Understanding the changing nature of time travel made me anticipate the most unexpected events. So when I learned from a mutual friend of ours that a Terminator was sent back to our time, I suspected the future I was told would change. What do you mean? When that infiltrator connected to Skynet, it warned them about the attack on the observatory. They had to move the Central Corps, otherwise they would lose again. Unfortunately, the intel we received came at a cost. But if there was any other way, I would have taken it gladly. Why am I targeted for termination? You're the one who discovered the true location of the Central Corps. You're the messenger of the intel that could lead to Skynet's downfall. I'm sure you'll figure out the rest when the time comes. But right now, I want you to get ready. Tonight, soldier, we stop Skynet. Ouais, ce soir on aura Skynet. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la... Oui, attitude. Comme d'habitude, je vous recule. Vous connaissez la chanson, vous connaissez ce que c'est le dicton. Je vous laisse. Je vous fais plein de pouces partout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Surtout, ciao, bye, booty, booty. Que l'amour du P2 soit avec vous. Peace!